Bien le shalom, peuple du Seigneur. Shalom. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Amen. Moi, je suis le frère Michel. Ah, la visitation du Seigneur, je ne saurais comment expliquer, tellement c'est si merveilleux. Moi en particulier, je ne sais pas comment ça m'a pris, mais au départ, j'étais en train de soupirer dans le cœur. Je disais au Seigneur que Seigneur, je sais que au travers de quelqu'un ici, je peux aussi boire. Fais-moi boire, Seigneur, fais-moi boire. C'était la prière de mon cœur. À un moment, tellement j'étais concentré, j'ai vu, puisque nous étions prosternés ici, j'ai vu les souliers du Seigneur, ici comme ça là. Non, des pieds jusqu'ici seulement. Puisque comme nous étions prosternés, il est venu, il a commencé à se tenir ici, à côté du frère Billet. Quand il se tient là-bas, il saute celle-ci, il se tient à côté de celle-ci. Il saute, la personne qui était à côté, il se tient à côté de l'autre. Comme ça, il saute, il saute. Il se tient à côté d'une personne, il saute la prochaine personne, il se tient, il saute. Après, il a fait comme ça, il est quitté. Une nuée toute blanche a envahi nous tous ici. Le corps normal est quitté. Le corps normal est quitté. J'ai vu les corps célestes. Ça nous a envahi nous tous dans la salle, nous tous. Après, ça nous est relâché. J'ai cru que mais c'est moi qui pense. Après, je suis revenu en moi. J'ai regardé d'abord la salle. Quand j'ai regardé ça, quelques minutes après, il a commencé les mouvements. Il a commencé à crier « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». J'ai dit « Waouh, Seigneur, moi ». Après, il a dit que je veux me connecter à l'esprit qui a crié le nom de Donatien. Quand j'ai fait comme ça, mon souffle s'est arrêté. Je ne respirais plus bien. Je croyais que je criais maintenant, ça sortait juste « Donatien, Donatien ». J'avais de la peine à sortir. Après, je reviens à moi et dis que « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis seulement en train de me distraire ou c'est comment ?» Ça m'a relâché. La chose m'a relâché, je suis revenu normal. Je disais non, il ne faut plus que je bagarre avec mes pensées comme ça. Je me suis concentré, j'ai fermé l'œil. J'ai dit que Seigneur, je me connecte à l'esprit des Donatiens. C'était ma prière comme ça, je me connecte, je me connecte. Je priais, je priais, je priais. J'étais en train de prier, c'était le sujet de mon cœur. Je ne gérais pas les gens que ça avait déjà pris. Je ne gérais personne, j'avais juste les yeux fermés. Je me concentrais juste, je priais, je priais. À un moment... Quand ça a pris, je ne sais pas qui, ça a pris, quand Jonathan a crié, Seigneur, Seigneur, subitement, la sœur ici a crié aussi, a commencé à crier. Quand elle a fait comme ça, elle dit, oui, Seigneur, merci pour les vases que tu as commencé à utiliser. Merci, Seigneur, merci pour ceux que tu as commencé à utiliser. Seigneur, moi aussi, je veux goûter. Seigneur, je ne vais pas quitter ici sans goûter. Tu as utilisé pour cela la gloire à ton nom. Seigneur, je vais goûter. Quand j'ai fini de dire, Seigneur, je vais goûter, un vent m'a saisi. J'étais en train de prier dans le cœur. Subitement, le vent m'a saisi. Je me suis tenu de mes deux genoux. Le vent, là, quand ça a soufflé sur moi, c'était comme si c'était l'avion qui était passé. Je voulais juste m'envoler. Je n'ai pas compris à l'heure où je me suis levé jusqu'à j'étais au milieu. Je n'étais plus conscient. Je me suis levé. Je voulais juste m'envoler. J'ai crié seulement. Quand il disait à moi, il priait doucement. Mais une pression... J'avais une pression en moi qui poussait. La chose que je disais doucement voulait sortir comme si c'était le tonnerre. Je ne parvenais pas à me saisir. Un moment, j'étais conscient. Un moment, je suis inconscient. Un moment, je suis conscient. Il dit que mais c'est moi qui est en train de parler ça. Je vais parler doucement. Ce n'est pas normal qu'il crie. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de crier. Je criais juste « Seigneur !» Ça sortait. Il y avait une pression. Ému de joie, de fatigue. Tu ne sais pas si c'est la joie, si c'est quoi qui te propulse. Mais tu sens que la chose est au-delà de tes forces. Tu ne peux pas contrôler la chose. Je veux prier doucement. Ça sort fort, ça sort fort. À un moment, je me suis trouvé par terre. J'ai compris seulement comment m'arrêter partout. On m'a arrêté. La force, je ne voulais pas qu'on m'arrête. Je voulais me libérer, parler. Il me faisait voir les cœurs, en fait, n'étaient pas libres. Ils étaient déconcentrés. Je voulais dire que ne vous concentrez pas sur ce que vous êtes en train de voir. Demandez, demandez. C'était ça qui était en mon esprit. Ça criait, ça criait. Je ne voulais pas parler fortement parce qu'en parlant fortement, ma gorge faisait, je ressentais, il y a mal à ma gorge. Je restais, j'étais fatigué, épuisé. Ça fait comme ça. Un moment, j'ai vu toute la salle était remplie des anges. Chaque personne qui était tenue avait un ange derrière lui. Quand on chantait, eux aussi, ils avaient des trompettes. Qu'ils accompagnaient, ils chantaient comme ça, ils chantaient, je voyais comme ils sifflaient, les trompettes en or.
Il sifflait comme ça, il sifflait. Chaque personne, c'est pourquoi c'est sorti juste. Il y a les anges dans la salle, il y a les anges, chantez, ne vous arrêtez pas. Parce que c'est comme si quand vous arrêtez de chanter, eux ils voulaient partir. Ils étaient fiers juste quand on chantait. C'est pourquoi c'est sorti, adorer. Je voulais dire arrêter, parce qu'au fur et à mesure que vous adorez, on chantait, ça ne me laissait pas. La fête venait encore avec force. Au fur et à mesure qu'on chante, on prie, ça vient avec force. Moi, je veux dire qu'arrêter pour que je revienne normalement. Ça sort plutôt que adorer. Il dit que mais, j'ai crié, je ne savais pas. Plus je vois, j'ai vu les cœurs étaient plutôt troublés par ce qui s'est passé. Je veux dire que laisser libérer les cœurs et recevoir le Seigneur. Libérer. Je sentais à moi que si je touchais quelqu'un, ça devait avoir la connexion. Quand je me suis couché, il y avait la sœur Ariane ici. Je faisais tout pour que ma main lui touche, mais il n'y avait pas moyen. Je savais que si elle tape ma main sur quelqu'un comme ça, il devait prendre. C'est pourquoi quand je tenais quelqu'un comme ça, ceux qui m'ont arrêté, quand je tenais quelqu'un, je serrais vraiment la personne. Je savais que si je serrais la personne comme ça, là, il doit obtenir ça. Je savais ça comme ça. Je faisais tous mes efforts. Rien. Je suis conscient. Elle fait l'effort que je suis conscient. Mais lève. Je veux rester dire que je n'adore plus. La chose est me pousse encore à adorer plus. Je crie. La salle, après que les anges sont partis, l'esprit des prophètes envahit la salle. Je me suis posé la question, mais est-ce que les prophètes ont même des esprits? L'esprit des prophètes était en salle. Je voulais dire maintenant que les hommes demandaient, ça ne sortait pas. Je veux dire, demander, l'esprit des prophètes est là. C'était animé des esprits en salle. Je veux dire, demander. Mais je comprenais cela que ceci, demande. Je demandais dans mon cœur, Seigneur, je veux. Chaque fois qu'il demande, Seigneur, je veux, au fur et à mesure qu'on chantait, ça m'enveloppait juste, la pression était forte. C'est comme ça que ça m'a traîné au bout des temps que ça a pu faire et tout, jusqu'à ce qu'on puisse arrêter comme ça. Ah, c'était merveilleux, je rends vraiment grâce au Seigneur Jésus. Puissez-vous remplir de la force.